Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Quintée direction l'hippodrome d'Auteuil hein, pour ce quintet du mardi 27 juin. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait eu un quintet depuis le grand steeplechase de Paris. Quoi qu'il en soit, on aura affaire à un lot qui est assez modeste hein, dans cette huitième course du programme, le prix d'Achères. D'ailleurs, vous le voyez, il y a marqué 16 concurrents départ, mais il y a d'ores et déjà un en partant, c'est l'As Fuego de Somoza. Il vient juste de tomber au moment où je fais cette vidéo, c'est pour ça qu'il n'est pas encore affiché sur vos écrans. Quoi qu'il en soit, l'As est non partant, ils ne sont plus que 15 au départ dans cette épreuve support de quintet qui est prévue à 18h. C'est un handicap de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, 3600 mètres à parcourir sur les haies. Donc un lot qui est assez homogène, une épreuve qui est prévue à 18h. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. On a affaire vraiment à une épreuve qui fait plus penser à une deuxième épreuve de gros handicap. Du coup voilà, on a une course qui est ouverte avec pas mal de possibilités, avec pas mal d'incertitudes. Voilà, j'ai fait confiance aux chevaux expérimentés dans cette épreuve, à commencer par le numéro 13, Henri Brulard, que j'aime beaucoup. Il a vraiment réalisé un bon retour sur les haies, pas dans cette catégorie, parce que c'est une course à condition, mais c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves dans les handicaps. Il est pris à une valeur avantageuse, il est expérimenté. Voilà, rien à ajouter. Je trouve qu'en bas de tableau, il détient vraiment une belle chance, une belle carte à jouer. Regardez ce qu'il faisait l'année dernière, il était très régulier également. Pour moi, c'est un cheval qui connaît bien ce parcours aussi. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je trouve vraiment qu'avec Théo Chevillard, il est capable de redorer son blason, ou en tout cas de renouer avec la victoire. Et moi, je lui ai accordé un très large crédit puisque je l'ai retenu en tête. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15, Assad Lawal. Bah écoutez, Assad Lawal, on va regarder la course référence. Il a couru les deux courses références. Il a battu Forza et Amandio, notamment. Et auparavant, il était quatrième derrière Forza. Maintenant, Forza qui a gagné a eu une pénalisation. Du coup, j'ai l'impression que le rapport de force est un peu inversé avec ces deux concurrents, et c'est pour ça que j'ai retenu Forza, j'ai tenu, pardon, Assad Lawal devant Forza. Et c'est vrai que ce numéro 15 en bas de tableau, il s'entend bien avec son partenaire, et je pense qu'il a une très très belle chance à défendre dans cette compétition. Ensuite, en troisième position, vous l'aurez compris, j'ai retenu le 8, Forza. Il m'a un petit peu déçu. Hein. Lui aussi, c'est un gros de 8 ans, comme je l'ai dit. J'ai fait confiance aux concurrents qui sont expérimentés. Lui a déjà pas mal couru depuis le début de la saison. Mais force est de constater qu'il répond toujours présent. À part 2 sixièmes places, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Il a même réussi à remporter son handicap l'avant-dernière fois. Bref, un cheval qui a encore un petit peu de marge. Pas tant que ça, c'est vrai que la dernière fois, ça tendait un petit peu à mieux de sa part. Mais je trouve qu'il a pas si mal couru que cela. Je pense qu'il est capable de mieux faire. Et à mon avis, le parcours des 3600 mètres va peut-être jouer en sa faveur. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il est capable de faire mieux que sa récente 5e place à cette valeur. Et c'est pour ça que je l'ai retenu en 3e position. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 5, Instar de Rêve. Un cheval entraîné par un tandem redoutable, hein, Noël Georges et Amanda Zetterholm. On le connaît, ce tandem qui ne cesse de s'illustrer depuis plusieurs mois. Là, il présente un Hongre de 5 ans qui vient de s'imposer. D'ailleurs, c'était une des courses références où c'était. C'était qui? C'était un Star de Rêve, le numéro 5. C'était ici, le 15 mai dernier, devant Fuego de Somoza qui est non partant, et le numéro 4 Amandio. En tout cas, c'est un Star de Rêve qui a vraiment montré de la qualité. Il a été certes pénalisé suite à ce succès, mais bon, c'est un Hongre de 5 ans. Je trouve qu'à cet âge-là, on progresse encore. Et il me semble qu'il a encore de la marge. Vu le style de son succès, je pense qu'il est capable encore une fois de réaliser une grande performance. Alors pour la victoire, faudra voir. Cette fois, on change de décor. C'est plus Compiègne. C'est également l'hippodrome d'Auteuil. Mais bon, je pense qu'il a quand même une belle carte à jouer. Et il faut s'en méfier. Moi, je l'ai retenu en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 3, Neil Paris. Encore une fois, c'est un cheval d'expérience, hein, ce Neil Paris. Vous le voyez, il a eu pas mal d'interruptions de carrière durant justement sa carrière. Et c'est vrai qu'il est revenu cette année à la compétition, mais dans des courses à réclamer notamment. Dernièrement, c'était un réclamé qui était quand même bien composé sur l'hippodrome d'Auteuil. J'ai beaucoup aimé sa tentative. Du coup, voilà, il a pas mal de poids. Il a 71 kilos. Malgré tout, je trouve qu'il est pris à une valeur qui est assez avantageuse sur l'échelle des poids, même s'il a beaucoup de poids à porter, comme je l'ai dit. Et vu ce qu'il a fait par le passé et le moral qu'il a peut-être récupéré du côté des courses à réclamer, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de redorer dans son blason dans ce genre de compétition. En tout cas, moi je m'en méfie surtout pour une place.
Ensuite, en sixième position, j'avais retenu, pardon, l'As, Fuego de Somoza, qui est non partant, je le rappelle une nouvelle fois. Et du coup, en sixième position, ce sera le 9, Amandio, qui sera dans ma sélection. C'est vrai que ce Amandio, il a montré de la qualité cette année. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas extraordinaire, c'était pas transcendant. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu à la compétition, il a montré qu'il était encore en train de progresser, c'est en gros de 6 ans. Il a d'ailleurs couru dans des courses références, notamment à Compiègne, il a été battu par un star de rêve, mais il courait quand même bien. Il terminait quatrième, dernièrement septième de la course référence derrière Assa de la Voile, Forza. C'était pas si mal que ça, hein, même s'il n'est que septième. Je pense que le parcours des 3600 mètres va lui aussi jouer en sa faveur. Et moi, je m'en méfie. Ludovic Philipperon, qui sera associé à ce pensionnaire de Patrick Lenoge, je pense qu'il est capable de terminer les 5 premiers. Pour moi, ça va être un peu juste, mais comme je l'ai dit, c'est une course qui est quand même assez ouverte, avec un lot qui est assez moyen. Et dans cette catégorie, je pense que le 9 Amandio, il a sa chance pour une petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 16, Sweet Cesaria. Sweet Cesaria, qui n'a pas forcément répondu aux attentes en dernier lieu. Maintenant, c'était pas mal la fois précédente. Est-ce qu'on l'a celle-là? Je crois qu'on l'a. Ouais, voilà, c'était ici, il battait Forza. C'est quand même pas rien, hein, le 29 avril. Du coup, sur la foi de cette sortie, je lui accordais un petit peu de crédit. C'est vrai que dernièrement, il est quand même seulement 7ème derrière Forza et Assa de la Voile. Voilà, c'est des chevaux qui se sont battus, entrebattus. Difficile un petit peu de savoir de quelle marge chacun dispose, mais en tout cas, cette Sweet Cesaria, elle a montré qu'elle était capable de rivaliser face à certains de ses rivaux que j'ai retenus. Du coup, je suis la ligne et je la retiens en 7ème position. Ensuite, en 8ème position, j'ai longtemps hésité avec les pensionnaires de Sylvain Déez. J'ai fini par retenir en 8ème position le 2 Aigletine, qui vient de décevoir. Maintenant, il sera muni d'œillères. Auparavant, c'était vraiment bien. Il avait très bien couru pour son retour sur les balais. C'est pour ça que je ne le condamne pas sur sa récente tentative où il a été arrêté. Avec les œillères, ça peut lui donner un peu plus de motivation et ça peut lui permettre également de redorer son blason. Et puis en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14 Cambo. J'aurais bien retenu ce numéro 14 Cambo à la place du 2 Aigletine, mais j'ai l'impression que Geoffrey avait peut-être le choix des montes entre les pensionnaires de Sylvain Déesse. Du coup, Cambo, ce sera juste un regret, mais je crois qu'il y a une course référence où il avait bien couru ce Cambo. Ouais, voilà, derrière Forza, dans le prix défilé le 19 mars dernier. Il avait également bien couru le 25 février. Voilà, peut-être un cheval qui est plus performant l'hiver, mais bon, vu ce qu'il a déjà réalisé dans cette catégorie et face à certains de ses rivaux, en bas de tableau, je trouve que ça peut être amusant pour une petite surprise. En tout cas, moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Henri Brulard, que j'ai retenu devant le 15 Assad Lawal. En troisième position, le 8 Forza. Devant le numéro 5 Instar de Rêve. Le 3 Nil Paris. En 7ème position, pardon, j'ai retenu le numéro 9 Amandio. Ensuite, en 8ème position, non, excusez-moi, je me trompe. En 6ème position, j'ai retenu le 9 Amandio. En 7ème position, le numéro 16 Sweet Cesaria. Et enfin, en 8ème position, le numéro 2 Aigletine. En cas de non partant, le 14 Cambo. On va faire un petit récapitulatif, hein, pour être bien, bien à jour. Avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 15. Ensuite, en 3ème position, le 8 devant le numéro 5, le 3, le 9. Le 16 et le numéro 2. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Cambo. Voilà, en conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, Henri Brulard, pour son retour dans cette catégorie, est capable de lutter pour la victoire. Le 15, Assa de la Voile, il a très bien couru lors des deux dernières courses référence. Un cheval qui est en pleine forme et qui devrait une nouvelle fois répondre présent. Et puis le 8 Forza, seulement 5ème dernièrement, mais je pense qu'il est capable de faire mieux sur ce parcours de 3600 mètres qui va jouer en sa faveur. Attention, je lui vois également une belle chance à défendre. Donc 13, 15, 8, mes trois préférés dans cette compétition. Un petit tour du côté du prix Bertrand de Loison, remporté par Bill Jepson. Un coup de 3 pour David Thomas ce dimanche dans cette très belle réunion. Devant le 4, Gamma Jabba, Jean-Michel Bazir, le 14, Emeraude 2B, le 7, Astronaute, le 5, Audi Partenaire, à part peut-être Alix et Orchestro, malheureusement, qui s'est montré fautif. La majorité des favoris ont répondu présent. D'ailleurs, nos deux rubriques qui vous indiquent tiercé, quarté, quinté, en plus de plusieurs coups de cœur et de quelques trios. Deux rubriques top prono et turf sélection que vous pouvez tester à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Je vous rappelle que l'As est non partant, hein, dans le quintet de ce mardi, Fuego de Somoza. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche.
Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vichy en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.